Donc là, je suis au H&M Villevorde. Je paye mes trucs. Il y a deux policiers qui m'arrêtent. Soi-disant, j'ai volé quelque chose. On va voir. Hein. Quand tu es soupçonné de voler. Donc je vais au H&M. J'achète des trucs. On me soupçonne de vol ici. Donc ma caïnga quoi. Ma caïnga. Soupçonné de vol. Je suis devenu un voleur. Madame, j'ai payé ou j'ai volé? Ok. Donc on m'a fouillé mon sac. C'est incroyable. Tu peux même plus faire tes courses tranquillement en train de voler. Donc cette femme ici là a appelé la police. Non, j'ai pas appelé la police. En disant que donc, j'ai voilà. Volé. Je suis pas la responsable. Donc je vous explique, je vais au H&M, j'achète des trucs pour les petits, normal. Déjà que j'aime plus trop ce magasin, mais j'y vais quand même. Au moment où je paye, je sors devant la porte, il y a la police qui m'attend. Monsieur, contrôle d'identité, vous êtes soupçonné de vol. Nanani nanana, bougez pas. Déjà moi je suis choqué. Je dis, comment ça j'ai volé? Ouais, vous avez volé, bougez pas. On va fouiller votre sac, on va vous fouiller. Nanana. Maintenant, moi, je comprends pas. D'abord, je me dis, c'est une caméra cachée ou tu vois? Ou c'est un truc. Je vois, ils sont sérieux et tout. Le policier, à un moment donné, il me pousse et tout. Je dis, j'avais même envie de le donner une, mais tu vois, comment on peut pas. Et puis, il commence à me fouiller. On va dans le magasin. Il dit, avec moi dans le magasin, on va dans le magasin. Oh, la femme elle dit ouais, la caissière là, elle dit ouais, vous avez volé, on a trouvé des tickets de caisse, des tickets de des vêtements qui sont enlevés et on en a retrouvé un peu partout dans le magasin. Et oh, et puis moi j'ai donc oh, donc vous m'accusez parce que vous avez retrouvé donc les petits tickets détachés un peu partout dans le magasin. Et pour vous, donc c'est moi. Je dis à la police, donc c'est moi. La police dit, ouais, écoutez, nous, on nous a signalé un black afro avec des tresses. Oh. Donc, je regarde la femme, je dis, donc vous trouvez des tickets détachés. Et pour vous, parce que, donc le seul, vous m'avez pas vu, vous avez vu personne. Vous vous dites, ah, mais c'est peut-être le black là, avec les tresses. Et vous appelez la police. Donc, j'en veux même pas à la police parce que la police, voilà, ils sont venus, ils ont fait leur boulot, même s'ils étaient un peu agités au début. Mais j'en veux à la femme de H&M. Donc, sans preuve, sans rien du tout, tu trouves des tickets détachés dans le magasin. Tu te dis, ah, c'est peut-être le black là. Je vais appeler la police. Tu l'as pas vu? C'est scandaleux. Donc... honnêtement, je sais pas, ceux qui s'y connaissent un peu, hein. Dites-moi si on peut porter plainte pour ce genre de choses. Ils m'ont mis grave la honte devant tout le monde, me faire arrêter comme ça. En tout cas, on va pas laisser passer ça. Donc, H&M là, moi je vais pas laisser passer ça. En tout cas, c'est incroyable. Et donc après, quand la police a compris l'histoire, elle a vu même que c'était ridicule. Bon, ils étaient en train de masquer un peu parce qu'ils m'ont quand même brusqué un peu au début. Et la femme, elle a commencé à s'excuser et tout. Mais comment ça, tu t'excuses? Donc tu accuses les gens, t'appelles la police, tu t'essayes même pas de me demander si j'ai volé ou quoi que ce soit. T'appelles directement la police. Puis après, tu vois que c'est chaud. Maintenant, tu t'excuses. Bah, excuse, Nao. Tchao. Tchao, Soki Wapi. Imbécile. Donc après, j'ai... tellement j'étais deg, j'ai remis leurs vêtements. Je me suis fait rembourser.
Je suis resté calme parce que après, pour pas qu'on dise ah ouais mais après il a fait ça, il a réagi comme ça. Non, je les ai laissés faire, mais en tout cas maintenant, on va pas laisser passer ça. Donc après dès que j'ai remis leurs vêtements, je me suis fait rembourser. Je suis resté calme parce que après, pour pas qu'on dise ah ouais mais après il a fait ça, il a réagi comme ça. Non, je les ai laissés faire, mais en tout cas maintenant. On va pas laisser passer ça. Hein.